Parfait. Alors, merci Nathalie, merci à l'ensemble des organisateurs, merci de me recevoir aujourd'hui pour vous présenter la vision qu'un juriste peut avoir sur les questions d'hydrogène. Donc effectivement, moi je m'intéresse plutôt aux questions juridiques qui sont liées à l'énergie de manière générale. Je m'étais plutôt spécialisé sur les questions de régulation des marchés. Et puis, je suis intervenu, enfin, on a structuré à Pau, alors c'est Pau et Pays de la Dour, donc ça couvre aussi le Pays basque. On a structuré une unité mixte de recherche, un laboratoire qui regroupe des géographes, des sociologues, des économistes et des juristes. Ce laboratoire est orienté problème, en tout cas c'est comme ça qu'on le présente, dans la mesure où on étudie les transitions. Ce qui finalement, chez moi, a conduit à un basculement dans ma façon d'approcher le sujet. C'est-à-dire que là où j'étais focalisé sur des enjeux qui portaient plus sur du droit de la concurrence, droit des marchés, droit de la régulation, droit public des affaires, j'avais ce tropisme-là. Les choses ont évolué dans la mesure où je suis amené à travailler sur des sujets qui relèvent des temporalités, qui relèvent des planifications, qui relèvent de l'appropriation. Voilà. Donc, je vais essayer aujourd'hui alors, très modestement, parce que l'hydrogène est vraiment un front de recherche en droit, donc de vous présenter l'état de l'art, qui est tout naissant, alors auquel j'ai participé, puisque finalement, on trouve 4 publications, donc ce n'est pas énorme, en France en tout cas, pas à l'étranger, hein. À l'étranger il y en a plus, mais 4 premières publications. Et donc je vais m'asseoir, je vais utiliser cet état de l'art pour adresser mon propos, et je vais essayer de montrer ce en quoi... J'ai bâti mon intervention sur l'idée de montrer ce en quoi, quelles questions se pose un juriste. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de réglementation et tout le monde fait du droit. Mais en fait, une analyse réglementaire n'est pas une analyse juridique. Une analyse réglementaire, c'est simplement lire la loi ou lire le droit, enfin lire un arrêté. Une analyse juridique, c'est un peu plus profond que ça. Et je vais essayer de vous montrer quels sont nos outils, nos méthodes qui sont perfectibles. On n'est pas les seuls. Alors, le droit ne nous appartient pas, hein. Un sociologue... Vous avez l'autorisation d'utiliser le droit, évidemment, même l'obligation en tant que citoyen de le connaître un peu à minima, mais le droit ne nous appartient pas, c'est simplement notre objet d'étude. Et on intervient dedans et on a développé des méthodologies qui sont performatives dans la mesure où la doctrine juridique a cet effet puissant qu'elle agit sur le juge, qui va l'utiliser pour développer ses propres concepts. Et donc, en quelque sorte, nous faisons œuvre de normativité, d'où peut-être notre ego, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, voilà. Donc je vais dresser d'abord quelques éléments de contexte rapides, mais qui sont tellement banals que j'ai presque honte de les exposer, mais allez, revenons-y. L'humain, alors j'avais écrit l'humain à la base, mais c'est plutôt l'homme libéral, j'ai pas trouvé mieux, j'ai essayé d'y réfléchir. L'homme libéral a toujours été en quête d'une énergie éternelle, on en a parlé, qui lui permette d'assouvir des besoins fondamentaux, des passions, de se substituer à sa force de travail, de développer des économies, des industries, des villes conçues pour croître et croître encore. Mais l'humain se trouve confronté, les sociétés humaines se trouvent confrontées à une conjonction de problèmes qui finalement sont moins des crises au regard de la temporalité dans laquelle elles se situent qu'une recomposition problématique de notre environnement. Parce qu'on voit aujourd'hui des crises qui se conjuguent, la crise climatique, les crises économiques, une crise militaire, une crise sociale. Et tout ça s'interpénètre et finalement recompose la problématique qui devient une problématique d'ensemble et qui s'inscrit dans un temps long. Donc c'est peut-être moins une conjonction des crises qu'une recomposition structurelle de notre problématique et structurelle de notre environnement. Et cela interroge nos modèles de société. Et le problème de la course dont je parlais avant, de la course à l'exploitation, à la quête de cette énergie éternelle, c'est qu'elle a un impact sur notre environnement. Mais nous faisons preuve d'une certaine constance dans la mesure où nous ne nous décourageons pas et nous tentons toujours de trouver cette fois une énergie inépuisable mais propre qui nous permette de poursuivre notre œuvre d'appropriation du monde. Et dans cette visée-là, l'hydrogène, appellation commune du gaz appelé dit hydrogène, est un gaz qui pourrait permettre en partie du moins de satisfaire cette ambition. Certes, on le sait, on l'a répété ce matin, il ne s'agit pas à proprement parler d'une source d'énergie, dans la mesure où il ne fait que transporter cette énergie et qu'il est produit au moyen d'une réaction chimique à partir d'une ressource primaire. Toutefois, dans la mesure où c'est un des éléments chimiques les plus abondants de l'univers, il rassure, il satisfait en partie nos ardeurs anthropiques.
Et peut-être peut-il conduire, peut-il offrir des promesses, on en a parlé ce matin. Et de là naît une attention constante que lui portent de plus en plus les pouvoirs publics, de plus en plus les opérateurs économiques, et qui stimule une certaine concurrence, il faut bien le dire, scientifique, économique et politique, et qu'on retrouve à toutes les échelles. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait cet appétit pour l'hydrogène à la fois à l'échelle internationale. Un exemple, l'Agence internationale de l'énergie atomique travaille actuellement à l'élaboration d'une feuille de route qui vise à accompagner les États qui le souhaitent pour produire de l'hydrogène à partir d'électricité d'origine nucléaire. Une ambition européenne. L'Union européenne a, dans un contexte compétitif, présenté en juillet 2020 une stratégie pour l'hydrogène bas carbone, laquelle fixe des objectifs qui visent à la construction européenne de la filière. Et très récemment, puisque c'est de mai dernier, du 18 mai exactement, a publié une communication, donc qui n'a pas de valeur normative, hein, c'est une communication qui s'appelle Repower European Union et qui vise trois choses, enfin qui vise vraiment à développer une stratégie hydrogène renforcée dans l'objectif écrit de mettre fin à notre dépendance fossile à l'énergie russe et qui vise à la fois l'usage de l'hydrogène avec un plan qui inclut un accélérateur d'hydrogène, avec des objectifs qui concernent la production d'hydrogène, avec des objectifs qui visent l'import d'hydrogène et des objectifs qui concernent les infrastructures d'hydrogène. Donc une ambition internationale, une ambition européenne, une ambition nationale, mais on va en reparler, et une ambition locale. On en a parlé tout à l'heure sur ces concurrences interscalaires, entre guillemets, ces concurrences d'échelle, elles sont intéressantes, mais c'est vrai qu'on voit fleurir partout des hubs territoriaux qui, il faut le rappeler, ont été soutenus par l'État. C'était le cas de l'ADEME, c'était le cas d'un certain nombre de dispositifs qui soutenaient ces hubs territoriaux et qui avaient vocation à faire émerger un hydrogène local avec des usages locaux en matière de mobilité, d'usage industriel ou de stockage, par exemple. Par-delà ces considérations de politique publique dont je viens de parler et donc qui existent, l'hydrogène fait aussi l'objet d'un fort intérêt de marché. On le voit régulièrement. On entend parler d'alliances nouvelles et régulières entre des opérateurs économiques qui sont intéressés à l'affaire. De tout cela, donc c'est un contexte vraiment dressé à grands traits, on comprend l'importance d'en dresser un cadre juridique et des moyens de régulation des activités économiques dont on parle. Et c'est ce qu'il est en train d'advenir, à la fois à travers un cadre européen qui se renforce, qui se consolide, et un cadre français. Sur le cadre européen, alors à chaque fois c'est la même chose. L'Union européenne fixe des stratégies, c'était le cas de la stratégie pour l'hydrogène pour une Europe climatiquement neutre qui avait été adoptée en juillet 2020. L'Union européenne fixe un phasage, donc là en fait elle a envisagé un phasage en trois temps, un phasage de recherche et développement, on va dire de première impulsion de la filière hydrogène qui courrait de 2020 à 2024, une ambition de maturité, de maturation technologique de 2025 à 2030, avec un hydrogène qui devrait être intégré au système énergétique de l'Union européenne et donc au marché, on va y revenir, et de 2030 à 2050, l'idée qu'il n'y aurait plus besoin de soutien public avec des technologies qui seraient déployées sur le marché et une conquérance qui s'opérerait. C'est un certain type de soutien politique qu'apporte l'Union européenne dans la mesure où la politique publique est principalement dirigée vers l'hydrogène renouvelable. Et pour ça, il faut lire le paquet Fit for 55. Alors, quand on parle de paquet européen, en fait, le paquet, c'est simplement l'annonce d'un ensemble de textes qui vont être pris dans un domaine en particulier. Donc il y a des textes qui sont déjà en cours d'adoption, il y a des textes qui sont en cours de maturation, mais l'objectif est global et ça permet en fait de donner un peu de lisibilité au droit européen, qui même pour un spécialiste du droit est complexe. Donc voilà. Alors, le soutien à l'hydrogène renouvelable est indirect dans certains textes du Fit for 55, dans la mesure où, en fait, l'objectif global de soutien à l'hydrogène rejoint l'objectif global de promotion des énergies renouvelables. Ça, c'est la première chose à prendre en considération. Et par contre, on observe une volonté, puisqu'il y a eu une proposition de règlement qui a été adoptée, de faire de l'hydrogène une clé de la mobilité européenne propre, puisque dans la proposition de règlement qui n'a pas été adoptée encore, il y aurait une règle qui imposerait aux États membres d'installer au plus tard, au 31 décembre 2030, des points de ravitaillement en hydrogène tous les 150 km. Ça, c'est un contenu normatif, hein, qui est contenu dans un règlement. Donc, il y a quand même une ambition certaine. Donc, ça, c'est pour l'Union européenne. Le cadre français,
Même chose, il s'est d'abord développé à travers une volonté politique, alors qui était un peu une volonté politique de « je vais être le premier, je vais être le leader de la filière hydrogène ». Rassurez-vous, il y a eu ça en France, il y a eu ça dans tous les pays de l'Union, de tous les États de l'Union européenne, et on retrouve ça en fait à travers le monde. Nicolas Hulot, à l'époque, avait présenté un plan qui est, en 2018 de déploiement de la transition énergétique. Et plus récemment, en septembre 2020, le gouvernement a présenté une stratégie nationale de développement de l'hydrogène vert qui se concrétise par une promesse, ça le mot est important, de 7 milliards d'euros qui seraient consacrés à la filière dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Ça, c'est les objectifs. Et ensuite, on a un début de cadre juridique qui, en fait, démarre en 2015. Il y avait des premières amorces législatives en 2015 qui étaient contenues dans la loi de transition énergétique et pour la croissance verte, dite loi royale. Et le cadre juridique, lui, s'est établi par le biais d'une ordonnance. Vous en entendez parler, vous allez beaucoup en entendre parler ces prochains temps, puisque ça va être une manière de réglementer le, enfin de mener le pouvoir. L'ordonnance, c'est une demande qui est faite par le gouvernement au Parlement de pouvoir disposer un temps donné de la possibilité d'intervenir dans le domaine législatif, c'est-à-dire de sortir de son domaine de compétences réglementaires pour aller dans le domaine de la loi. Le Parlement l'y autorise, le gouvernement prend une ordonnance et ensuite le Parlement ratifie l'ordonnance, c'est-à-dire lui donne officiellement valeur de loi. Entre-temps, elle a un régime juridique hybride. On peut l'attaquer devant le Conseil d'État. Okay, bon, c'est le cadre juridique qui vient donc d'une ordonnance du 17 février 2021 relatif à l'hydrogène. Le champ d'habilitation, il était très simple. Il faut qu'il soit précis, le champ d'habilitation, sinon c'est inconstitutionnel. 1. Définir la terminologie, et on va y revenir. 2. Permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l'hydrogène. 3. Établir un cadre de soutien à la filière. Et donc, voilà, ça c'est une analyse réglementaire. Là, on va essayer de faire une analyse juridique. Donc, les concepts. Alors, d'abord, à quoi sert le droit ? Première chose, il pose des qualifications. Ça, c'est peut-être le cœur du droit, en réalité. Qualification, régime juridique. On qualifie une chose, un homicide. On qualifie une chose, un désastre naturel. On qualifie une chose, l'hydrogène, pour lui appliquer un régime juridique. La qualification est déterminante. La définition conceptuelle est déterminante en droit, puisque c'est elle, en fait, qui va faire que l'objet concerné par la définition va recevoir un régime juridique, des règles de droit applicables. C'est le plus important en droit, bien qualifier, bien dire les choses. Voilà. On n'est pas la seule discipline qui essaie de bien dire les choses, hein, mais en tout cas, en droit, c'est juridiquement très important. Donc, poser des définitions. Et en fait, l'hydrogène, ce n'était pas si simple. Pourquoi ? Parce que, comme le présentait le gouvernement à l'époque, c'est un élément chimique qui doit être produit avant d'être utilisé. Donc, je vais essayer d'expliquer ce pourquoi ce n'était pas facile. D'abord, il fallait bien conceptualiser l'hydrogène dans une perspective de lui appliquer un régime. Et le problème, c'est que à cette époque, en fait, quand le législateur réfléchit à la qualification à poser, les praticiens, et on en a entendu parler ce matin, en fait, avaient eux-mêmes développé une typologie conceptuelle. Donc, il y avait un hydrogène rose, un hydrogène jaune, un hydrogène turquoise, un hydrogène noir, un hydrogène brun. Et ça, ce n'est pas du tout possible d'un point de vue juridique parce que c'était beaucoup trop compliqué. Et donc, il fallait, en fait, fournir une typologie qui soit compréhensible et surtout qui permettent l'application d'un régime. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus utiliser les catégories d'hydrogène voilà, dans le langage commun ou scientifique, mais en tout cas, juridiquement, c'était trop complexe, même si c'était coloré. Et donc, en réalité, le droit pose deux types de qualifications juridiques. Là, c'est un point un peu technique, mais ça me semble important. La première, c'est... tout ça a été traité par des collègues, justement, c'est ce dont je parlais, Camille Drouillet, Laurent Badi, Arnaud Lecourt, Blanche Lormeteau et Madame Bain-Touvraise, qui est avocate. Deux catégories de définition juridique, celle qui concerne le droit de l'énergie, celle qui concerne le droit commun. Les deux sont intéressants. Du point de vue du droit de l'énergie, on a un article de la loi de l'énergie-climat qui disait « Je vous demande, gouvernement, dans le cadre de l'ordonnance, de classifier en fonction de la source d'utilisée pour la production de l'hydrogène. » C'est en partie ce qu'a fait l'ordonnance, mais c'est un tout petit peu plus complexe. En fait, il distingue trois types d'hydrogène. 1. L'hydrogène renouvelable. L'hydrogène renouvelable, c'est deux conditions. Être produit à partir de sources d'énergie renouvelable. Et sur ça, pareil, on a un concept qui est donné au L211-2 du Code de l'énergie. Et 2. C'est être produit en deçà d'un certain seuil de CO2. Et ce seuil de CO2, d'émission de CO2, et ce seuil de CO2, il est prévu par arrêté. Et alors là, j'ai cherché partout l'arrêté,
et je ne l'ai pas trouvé. Donc si certains pensent qu'il existe ou savent qu'il existe, qu'ils me le disent, mais très honnêtement, j'ai mené une recherche assez poussée. Donc ça veut dire que cet arrêté n'a toujours pas été pris, ce qui veut dire que la norme, en principe, n'est pas applicable puisqu'elle nécessitait cet acte d'application. Bon, bref. Donc, hydrogène renouvelable, c'est un enjeu très important, évidemment, la détermination du seuil hein, pour les industriels. C'est peut-être pour ça que le gouvernement tarde à prendre l'arrêté. Ce sera le ministre en charge de l'énergie qui devra le prendre. Un, hydrogène renouvelable. Deux, hydrogène bas carbone. Hydrogène bas carbone, c'est ce qui n'est pas produit à partir de sources d'énergie renouvelable, mais qui rentre quand même dans les seuils d'émissions de CO2 que je viens de préciser précédemment. Donc, qu'est-ce que ça peut concerner? C'est l'hydrogène issu du nucléaire, peut-être? Je pense que c'est ça que ça vise. Troisième chose, l'hydrogène carboné. L'hydrogène carboné, on a besoin de le viser. Alors lui, on va lui appliquer un régime en creux, c'est-à-dire que lui n'aura pas le droit au dispositif de soutien. En gros, c'est ça. Et l'hydrogène carboné, c'est... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait théoriquement avoir un hydrogène carboné, mais qui soit considéré comme bas carbone. C'est-à-dire s'il était... Mais, et ce serait théoriquement possible si jamais, par exemple, on considérait que les technologies de captage et de stockage de CO2 permettrait de diminuer les émissions nettes, je me fais comprendre ou pas. Mais vous voyez, et ça, ça se discute, pour le coup. On est sur quelque chose. Ben là, vous voyez, là, c'est du droit, ça. Ça, c'est un truc qu'on va dire. D'ailleurs, ça se discute, parce que vous voyez l'enjeu. C'est-à-dire que, voilà. Pourquoi produire ce qu'on n'aurait pas pu émettre ce qu'on aurait pu ne pas émettre. Voilà. Il y a une discussion sur le fait de savoir si la conception européenne, c'est la même que la conception française. Mon analyse, c'est que plutôt oui. En fait, on n'est pas... Il y a des auteurs qui disent que non, mais très honnêtement, les différences sont vraiment... Elles finiront par s'accorder. Je pense que la définition française, c'est pas qu'elle l'emportera, c'est que l'interprétation des dispositions européennes... voilà. Les enjeux cruciaux, c'est ce dont je viens de parler, détermination des seuils et le fait de savoir si le CCUS rentre en compte dans la détermination des seuils. Ça, c'est très important. L'Union européenne semble plutôt penchée pour le oui. La France n'a pas répondu encore à cette question. Et tout ça est à lire en lien avec la question de ce qu'on appelle la taxonomie verte de l'Union européenne, qui sont des critères qui vont venir présider à... fixer des lignes directrices aux États pour accorder leur soutien. Et les deux sont à lire en parallèle, en fait. Bon. Mais bon, voilà, ça c'est l'approche conceptuelle. Deuxième approche conceptuelle, et c'est important, c'est que le juriste, il ne va pas simplement chercher à dire « Ah oui, le code dit ça », après il va y avoir des problèmes concrets. Un dommage causé du fait d'une activité liée à la production d'hydrogène. Ce n'est pas ce qu'on vient d'expliquer avant qui va permettre d'appliquer le régime de la responsabilité. C'est le droit commun. Et donc en droit commun, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un bien meuble corporel. Et en fait... si vous voulez, on pourra en parler dans le cadre de la discussion. Là, autant la réponse était simple à donner, pour l'électricité, c'était très compliqué. Et en fait, c'est pour ça que les juristes s'y sont penchés, parce que pour l'électricité, ça a été très compliqué de déterminer le régime civil de l'électricité. Au regard de ça, voilà, parce que le caractère appropriable d'un électron est compliqué. Pour être un bien meuble corporel, il faut ne pas être un immeuble et être approprié et appropriable. Voilà. Du coup... Bon, ça, c'est sur les enjeux conceptuels. Et ces enjeux conceptuels sont importants parce que les politiques de soutien vont être liées à ça. C'est-à-dire que le soutien, il est dirigé justement vers l'hydrogène bas carbone et l'hydrogène renouvelable. C'est un enjeu de taille, on l'a dit, 7,2 promis de milliards d'euros d'ici 2030 et dont je ne sais plus combien de milliards d'euros d'ici 2022, mais c'est... je me souviens plus. Bon, d'ici 2030, c'est 7,2 milliards d'euros. Et donc la construction du cadre juridique, elle repose sur deux grandes logiques, c'est ça qu'il faut retenir. Un, on privilégie le soutien à un âge de peu ou pas carboné, donc qui rentre dans les définitions que je viens d'évoquer avant. Et deux, et ça c'est important, le temps de la concurrence. C'est comme l'éolien, c'est comme tous les secteurs d'énergie qu'a soutenu le gouvernement, enfin les pouvoirs publics, ce sera le temps que la concurrence se fasse. Et quand la concurrence sera suffisamment mature, c'est-à-dire que les prix... serviront suffiront pour assumer ses coûts pour l'ensemble de la filière, eh bien, ce jour-là, le soutien public devra cesser. C'est une règle européenne pour une raison que je vais indiquer après. Et troisième chose, ça c'est important, c'est qu'on a une dérogation législative à une interdiction pour les collectivités territoriales d'intervenir dans des sociétés de production hydrogène. En fait, c'était déjà prévu dans le cadre de la loi de transition énergétique. Les collectivités territoriales pouvaient prendre des participations dans ce type de société. Elles le peuvent, y compris pour des sociétés hydrogène. Et je pense qu'au regard des enjeux territoriaux, elles le feront. Les régions notamment.
Voilà. Alors, si, mais peut-être que vous allez en parler, Nathalie. Le soutien, il y aura principalement dans une, il sera principalement concurrentiel dans la mesure où ce sera le complément de rémunération qui sera préféré. Donc, c'est-à-dire, le complément de rémunération, ce n'est pas du tarif de rachat où on achète, où le pouvoir public rachète ce que vous produisez à un tarif fixé à l'avance. Le complément de rémunération, c'est qu'on vient regarder le marché et en fait, on vous paye le gap entre la différence de prix de marché et vos coûts. Donc, en fait, en quelque sorte, les pouvoirs publics vous aident le temps d'eux. Okay, ça, c'est ce qu'on appelle la technique du complément de rémunération. C'est une technique assez concurrentielle puisque forcément, ça favorise le fait d'aller d'abord chercher à rentabiliser son activité sur le marché. Okay. Troisième enjeu qui est lié à ça, c'est la traçabilité. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a deux choses, deux instruments qui sont mis en place. Un instrument qui était connu qu'on appelle la garantie d'origine et un instrument qui est tout nouveau qui s'appelle la garantie de traçabilité. La garantie d'origine, elle a été pensée pour des énergies de réseau, c'est-à-dire qu'on ne s'assure pas en tant que consommateur final que l'électricité qui arrive chez soi, eh bien, elle est directement issue d'une éolienne ou d'énergie renouvelable, mais par contre, on a la garantie qu'un jour, elle a été mise sur le réseau. C'est ça la garantie d'origine. On sait qu'un jour elle a existé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette garantie d'origine, il y a un marché de la garantie d'origine. Donc en fait, certains acteurs qui ne produisent pas d'énergie renouvelable peuvent acheter des garanties d'origine sur le marché des garanties d'origine et vous vendre de l'électricité garantie d'origine. Vous comprenez? En fait, on a découplé deux choses. On a découplé le flux commercial du flux physique, ce qui signifie que vous pourriez théoriquement être un fournisseur d'énergie, un producteur d'énergie non renouvelable, mais qui vend de l'électricité renouvelable à ses clients parce qu'il a acheté des garanties d'origine sur les marchés. Et donc ça, c'est la première chose. Et la garantie de traçabilité, c'est pas ça. La garantie de traçabilité, là, elle est vraiment pensée pour l'hydrogène et c'est l'idée qu'à aucun moment, l'hydrogène renouvelable ou bas carbone n'a été mixé avec d'un autre gaz, ce qu'on appelle le blending, a été mixé avec d'autres gaz. Et donc, en gros, ce que vous avez chez vous, le flux physique est lié au flux commercial. Voilà. Du coup, cet enjeu de traçabilité, il est important parce que c'est pour assurer le client. Et peut-être qu'il y a d'autres raisons que je ne comprends pas derrière. Mais c'est vrai qu'il est étonnant ce dispositif. Voilà. Mais je le dis honnêtement, c'est-à-dire, facialement, ça ressemble à une volonté de protection du consommateur, mais peut-être qu'il y a une autre raison que je ne perçois pas. Et voilà. Donc, le droit, c'est ça, c'est tout ce que je viens d'expliquer, et je vais vraiment vers la fin, Nathalie. Et c'est aussi des dynamiques juridiques. Je veux évoquer deux idées. La première chose, c'est création d'un marché intérieur de l'hydrogène. C'est super important pour une raison qui n'est pas que juridique et qui est sociale, politique, économique. Et voilà. On a un paquet. On a aujourd'hui une directive qui porte des règles d'encadrement du marché intérieur du gaz. On a la même sur l'électricité. L'idée, c'est de réviser dans le cadre de paquet Fit for 55 dont je parlais cette directive pour y intégrer l'hydrogène et donc à créer un marché intérieur de l'hydrogène. Pourquoi c'est important? Alors juridiquement, c'est intéressant et pour les opérateurs, c'est très important parce que, un, on va construire un cadre de marché qui va concerner ce que sait faire l'Union européenne, c'est-à-dire l'industrie de réseau. Comment je transporte, comment je distribue, comment je stocke, quel est le marché. Du coup, elle copie-colle, c'est ça qui est étonnant. L'Union européenne copie-colle ce qu'elle sait faire en matière d'électricité et de gaz. Donc, par exemple, c'est la création de gestionnaires de réseaux d'hydrogène qui devront obtenir des autorisations. Il y a des règles de séparation, donc comme il en existait sur l'électricité et le gaz, donc entre la production-vente et le transport-distribution. Aujourd'hui, c'est le cas pour l'électricité. C'est pour ça que RTE est séparé juridiquement de EDF. C'est pour ça que Enedis est séparé juridiquement de EDF, pour pas qu'il y ait de collusion, en fait, entre les deux, pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, sans parler de collusion. Deuxième chose, c'est permettre l'accès des tiers au réseau. Donc, grosso modo, en tant que producteur d'hydrogène, je pourrais théoriquement un jour avoir le droit d'accéder à un réseau hydrogène, d'injecter l'hydrogène que je produis dessus. Trois, contrôle de la qualité de l'hydrogène, forcément, puisque c'est plus touchy que le gaz, donc il va falloir en assurer la qualité, qui serait sous la responsabilité du transporteur, donc de l'opérateur de réseau. Et donc, infrastructure d'intérêt européen. Infrastructure d'intérêt européen, donc c'est des financements, c'est des incitations à faire du transfrontalier. Donc ça va pas se construire du jour au lendemain. On parlait des temporalités ce matin. En gros, il y aura des gazoducs, quelques-uns, puis le but, c'est de mailler un réseau petit à petit. Le problème de tout ça, c'est surtout l'analyse critique que je voulais fournir. Critique, j'entends pas négative, hein, c'est juste une analyse critique.
j'essaye de critiquer le truc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Me semble-t-il, pourquoi est-ce que l'Union européenne veut créer un marché de réseau? Elle veut faire la même chose sur le CO2. Hein. J'ai quatre raisons. Un, parce que les ressources sont inégales, possiblement seraient inégales. Enfin, les moyens de production seraient inégaux. Les ressources seraient inégales, notamment sur le stockage. Donc, du coup, on veut faire un effort de mutualisation européen. Première chose. Deuxième chose, l'idée qu'on maille un réseau européen, c'est que ça stimule la filière en conjuguant les forces. Trois, c'est parce que ça permet de décarboner, ça permet une structuration de la demande. Quand on construit un réseau, quand on construit une offre structurée, quand on a une offre structurée, il y a peut-être une demande qui se crée. C'est des hypothèses hein, que je fixe, hein, il faudra aller tout vérifier. Quatre, parce que ça favorise l'acceptabilité sociale, l'appropriation sociale. Forcément, quand on a un réseau, on comprend mieux. Un peu, bon. C'est intéressant scientifiquement parce qu'on va avoir la construction d'un marché. Mais en même temps, ça revient sur une logique actuelle qui est celle de la construction locale de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on aurait pu concevoir un autre modèle. Ou en tout cas, pas commencer par le réseau national, mais d'abord de commencer par des écosystèmes locaux, et ensuite peut-être de faire un effort de structuration. Mais l'Union européenne, ça c'est un propos que je tiens, et la dernière fois il y avait un représentant de la Commission européenne quand je le tenais sur le CO2, qui n'a pas répondu sur cette question. C'est que je pense, ma théorie, c'est que l'Union européenne fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire de l'industrie de réseau. Ça a marché sur l'électricité, ça a marché sur le gaz, il copie, il colle. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Dernière chose, c'est vraiment, alors là j'avais promis une conclusion, mais là c'est vraiment la conclusion de la conclusion, c'est tout ça va être très complexe à la fin, parce que il faut bien lier deux choses. C'est si, comme on le présuppose le droit de l'Union européenne, comme on peut le présupposer, comme semble indiquer l'Union européenne, on a un lien entre le CCS et l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on peut produire de l'hydrogène bas carbone qui serait lié à des solutions de capture et de stockage, ou, si ce n'est pas de stockage, c'est de... Je sais plus, enfin, de captage naturel... Enfin, de... Ah, je ne me souviens plus du... La farming, voilà, de bon, je ne me souviens plus du terme, mais soit des solutions industrielles de stockage, soit des solutions naturelles de stockage du CO2. Si on arrive à avoir... si on a ce lien entre le marché de l'hydrogène et le marché du CCS, notamment lié par le marché carbone lui-même, le marché ETS, eh bien, me semble-t-il, on aura un système très complexe. Alors, intéressant, mais très complexe. C'est-à-dire que... Et là, je ne voulais pas le faire ça, parce que du coup, là, c'est tellement prospectif que c'est un peu compliqué scientifiquement de le prouver, mais il me semble qu'on pourrait... Alors, il y a deux... Soit on fait de l'industrie de réseau comme on sait faire, soit on rentre sur un système de réseau qui est quand même un peu plus pertinent, parce qu'il serait lié à une logique d'économie circulaire, complètement. C'est-à-dire qu'on aura un marché de l'hydrogène, un marché de l'électricité, un marché du gaz qui serait lié à un marché du CO2, qui en fait offrirait des solutions de captage, de valorisation industrielle. Et vous voyez ce que ça peut donner? Ça peut donner une logique en fait circulaire d'ensemble, mais pas inintéressante, hein, mais à prouver. Hein. Alors, par contre, le problème philosophique que ça porte, c'est que c'est le point. Alors, j'ai failli me faire étrangler par le club CO2. À chaque fois, je le dis, mais un jour, du coup, ils vont m'étrangler vraiment. Le club CO2, c'est un club de gens qui croient en la technologie CO2, de stockage notamment. Mais ça me va, hein. c'est pas de souci contre ça. Mais par contre, on peut se poser quand même une question. C'est si on considère que stocker du carbone, ça peut être considéré comme une émission négative sur les marchés carbone. Enfin, ça signifie quand même... Enfin, les réservoirs de stockage sont limités. Et vous voyez ce que ça donne? Ça veut dire qu'on poursuit le même modèle, mais on s'autorise à pouvoir finalement intégrer le marché du carbone, d'avoir des émissions négatives valorisables sur le marché du carbone, en tout cas qui diminue son obligation. Et enfin, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est... Ça signifie qu'on ne change pas de modèle, mais au bout du bout, ces réservoirs seront pleins.
Et du coup, qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? On invente une autre chose? Enfin, c'est ça, le voilà. Vous voyez, ça, c'est peut-être le seul problème philosophique que j'ai avec tout ce que je viens d'évoquer. Je ne sais pas si c'est philosophique. Le philosophe, peut-être, nous pourrait nous dire si c'est philosophique comme problème. Mais voilà. Bon, c'était des considérations encore un peu générales sur le droit. Merci beaucoup.